Alors là, nous sommes donc dans la vigne du Villafranchien. Compose le Villafranchien. D'accord. Elle la compose à 90%. Une vigne donc qui date de 1920. D'accord. Être précis, sur les sols, voilà. Donc comme le nom de la cuvée l'indique, on est sur du Villafranchien, donc du galet roulé. Et là, on se rend compte que c'est vieux parce que c'est quand même très délité. Voilà. Et ça, c'est tout s'est pas mal déjà concassé. Voilà, ce sont de très vieux galets roulés. Donc, ce sont des grenaches. Oui. Voilà, avec des souches remarquables. Et alors, Laurence, tu voulais m'en montrer une particulièrement. Voilà, celle-là, ou tu en as une autre là-bas. Allez, aussi, on va la voir. Alors, bien que ce soit en gobelet, c'est sur fil. C'est sur. Aïe, aïe, aïe. Voilà, on n'est pas passé dans la bonne rangée. Voilà, alors celle-là. Celle-là ou celle-là. Elle demande un peu la taille des souches. Oh là comme là. Dirait Daniel Auteuil dans un certain film, c'est de l'authentique. Ah oui. Voilà, alors, tu la vois, regarde même de profil. The souche. Formidable. Voilà, c'est une vieille dame et c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à la travailler. Et bien sûr, nous récoltons cette vigne à la main. Voilà. Alors, là, on a quelques graines passerillées. Ça n'a pas été encore vendangé. Alors, est-ce que ça va aller dans le passerillier? Non, là non. Non. Là, non. Pas du tout. Non, on ramasse vraiment dans son ensemble, parce qu'on peut avoir des raisins légèrement surmûris et d'autres avec des maturités qui sont loin d'être aussi avancées. Donc qui manque même peut-être un peu de maturité. Donc le tout fait l'équilibre en fait. Donc il faut vraiment goûter la vigne dans son ensemble pour déterminer le bon moment pour ramasser. Voilà, tout simplement. Et donc le bon moment c'est aujourd'hui. Voilà, pour celles qui sont aujourd'hui. Donc comme mon père l'a expliqué tout à l'heure, vieille vigne, montée de sève plus lente. Donc les maturités vont être plus lentes. Aussi, voilà, on est plutôt orienté est. Bon, le sud, beaucoup moins, donc l'ensoleillement est différent. On a beaucoup d'ensoleillement différent selon les parcelles. Voilà. Voilà. Et alors là-bas, nous avons donc les vendangeurs. Tout à fait. Voilà. Voilà que on nous. Va se rapprocher. On va se rapprocher. Nous allons aller les voir. Voilà, c'est une colle de combien de personnes? Alors là, ils sont 23. Ça fait quand même une grosse équipe. Hein, oui, c'est une grosse équipe. Pourquoi? Parce qu'il faut ramasser les raisins à maturité. Et donc là, il faut vraiment être très. Dire, allez, on ramasse ça. Il faut être incisif, voilà. C'est-à-dire, la vigne est prête, voilà, réactif. La vigne est prête. Et donc, on a l'équipe qu'il faut pour ramasser dans la journée. Voilà, si tu vois, qu'est-ce que je veux dire. Si tu vois, qu'est-ce que je veux dire. Voilà.